Il faut se palper hein, avant 50 ans, parce que ça touche aussi les jeunes. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 36 ans, je suis maman au foyer avec nos trois enfants et on m'a diagnostiqué un cancer du sein le 7 août 2019. Tout s'est enchaîné assez rapidement. Donc ils ont programmé une opération, donc une mastectomie du sein gauche le 3 septembre 2019. J'ai subi donc ce mois-ci donc une mastectomie du sein droit cette fois-ci, car j'ai un cancer donc génétique. Ce qui m'aide à surmonter, c'est d'être très entourée par la famille, les amis, mon conjoint et mes enfants. Je fais également du foot. Je suis dirigeante d'un club de foot. Hein. Donc c'est ça qui m'aide énormément. Ça me permet de m'évader. C'est de rester positive malgré tout ce qui nous arrive hein, avec les traitements, les opérations. Je suis engagée dans une association depuis 9 ans maintenant qui s'appelle la Gréloise en Haute-Saône, dont je fais partie du bureau. Je représente les malades. On aide justement tous ceux qui sont atteints de cancer. Je me suis engagée dans cette association parce que nous-mêmes, dans la famille, on a eu des cas de cancer. Celles ou ceux qui ont un cancer du sein, enfin, ne pas attendre en fait les 50 ans de se faire la mammographie, etc. Il faut se palper hein, avant 50 ans, parce que ça touche aussi les jeunes, beaucoup plus les jeunes même. Et pas hésiter d'en parler avec le médecin, etc. Parce que plus on en parle tôt, mieux c'est.